Pour l'installation d'un escalier, il vous faudra recouvrir les surfaces que vous souhaitez protéger de la poussière inévitable produite par des travaux de démolition ou le sillage des matériaux. Le matériel est déballé et inspecté minutieusement au début de l'installation de l'escalier. Il peut arriver que les murs soient endommagés lors de la recherche ou l'ajout de fond de clouage. Prévoyez la possibilité d'avoir à effectuer certaines réparations. L'installateur aménage sa table et l'outillage au pied de l'escalier. Il doit disposer d'un minimum d'espace pour travailler. Les contremarches et foulimons sont taillés sur mesure et les composantes sont collées. On termine par l'installation des moulures. Chaque type d'escalier demande des étapes de montage spécifiques. La précision des coupes droites et angulaires qu'exige l'installation d'un escalier ne peut être effectuée que par un ébéniste spécialisé, soucieux d'une qualité de finition supérieure. Une pellicule de protection protège les marches et les rampes pour la durée des travaux. Un spécialiste effectuera les retouches dans les 48 heures suivant la fin de l'installation et vous fera signer la feuille de conformité. L'escalier terminé, nous n'effectuons pas l'époustage de la maison ni l'aspirateur, mais ramassons et balayons l'espace de travail. Vous reste maintenant qu'à admirer et profiter de votre bel investissement réalisé par le centre de l'escalier.